Ce matin, je me mets à l'eau tout seul, Lucas m'a pas accompagné. Il y a par contre déjà quelques flottes-tubes sur l'eau. Donc pour l'instant, j'ai défini que les poissons ils étaient souvent regroupés dans les zones principalement d'arbres immergés. Et quelques poissons qui se trouvent entre 3 et 4 mètres. Donc c'est assez étrange, mais j'ai regardé un live de la Navicom avec Fred Julien et ils ont trouvé exactement la même chose. Donc sur les pêches de black bass qu'ils ont fait en ce moment. Donc je suis plutôt content. Et puis là je vais aller sur les postes qui m'intéressent tout de suite avant qu'on me les chope. Il y a pas mal de soleil ce matin, il fait assez chaud. Donc je pense que les basses peuvent être déjà bien réveillées. Va pas falloir que je traîne quoi. C'est un beau black bass. J'étais en train d'écouter. C'est encore un black bass qui fait. Il fait au moins 40 celui-là. Donc je vais le mettre dans l'épuisette s'il veut bien remonter. C'est bon, il y a l'épuisette. Allez. Encore dans les branches, hein, vous voyez, il se trouve vraiment là. Il fait ses bons 40. Hein. Arrosé. On a clairement encore un magnifique poisson. Regardez-moi ça. C'est proche des 50 ça. De toute façon on va le mesurer. Je vais aller me poster juste sur la berge. Je vais le laisser dans l'épuisette. Mais en tout cas c'est beau. Et je vais changer de main pour vous montrer. Mais ça a été fait avec un slick shad encore. Et j'ai changé aujourd'hui. J'ai mis un autre coloris pour essayer et bah, ça a fini par marcher dans les branches toujours. Voilà, un super poisson encore, ça fait plaisir. Donc il est venu me saisir le leurre juste à la descente, juste après avoir passé une branche. Il est venu s'en saisir, j'ai senti ma ligne se décaler. Et j'ai ferré. Bon, un très beau poisson encore. Franchement, ça fait plaisir. Thank you.
Je poursuis ma pêche sur la bordure, ça devient assez difficile. Il y a pas mal de matière organique qui est en surface là et qui freine la progression des leurres comme je voudrais le faire. Donc je continue quand même, je vais essayer de trouver des alternatives pour pouvoir passer dedans, peut-être plomber un petit peu plus. Il est temps pour moi de ranger le flot et de rentrer chez moi. Ça a été une journée assez compliquée dans l'ensemble parce que un seul poisson en une seule touche. Donc c'est ça aussi qui est positif. C'est qu'aujourd'hui, j'aurais pas loupé de poisson. J'ai attendu la touche, je l'ai eu et j'ai réussi à la concrétiser. On retombe toujours sur la même configuration, hein, un poisson posté dans les arbres, immergé entre 0,5 et 1 mètre. Donc c'est toujours cool de valider la stratégie. J'ai essayé en pleine eau parce qu'il y avait pas mal de pêcheurs aujourd'hui, on est samedi. Et ils faisaient pas mal les bordures évidemment. Et moi je me suis dit, allez, je vais tenter le pleine eau pendant 1h30. Malheureusement, ça n'a rien donné, donc c'est vraiment... C'est vraiment que les poissons sont en bordure dans les arbres. Par contre, ils sont assez difficiles parce que il y a eu un seul poisson de 45 qui a été fait par un des pêcheurs. Sinon, le reste ont fini capot. Donc je m'estime quand même bien heureux d'avoir fait un poisson. Si vous avez apprécié, je vous invite tout de suite à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous invite également à aller voir les épisodes précédents de cette série Apprentissage de la pêche du Black Bass. Et d'autres épisodes sont à venir, donc restez bien connectés. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! There's